Sur ce chantier, nous avons de grandes surfaces. Pour faciliter le travail et gagner du temps, nous avons choisi un enduit avec un système airless. Première étape, reconnaissance du support. On vérifie l'écart des plaques qui ne doit pas excéder 2 mm. S'il y a des gros trous, rebouchez-les à l'aide d'un enduit de rebouchage. On vérifie que les vis soient bien enfoncées. J'ai choisi le Bagar Airless J qui est un enduit 2 en 1. Il me permet de coller mes bandes et d'enduire en plein. Point important, la machine doit avoir un débit minimum de 5 litres minute. Pour pulvériser l'enduit, utilisez une buse de 5,33. Je plie la bande dans le sens du pliage, ça me permet d'avoir un bon positionnement immédiat. Petit conseil, pulvérisez en passe croisée à environ 80 cm du support. Restez perpendiculaire sans incliner le pistolet. Avec un seul produit, le Bagar Airless J et le système Airless, j'ai été deux fois plus rapide qu'avec un enduit manuel. En finition, il me restera à appliquer deux couches de peinture.